Seigneur, pour chacun d'entre nous. Et je dis merci à Dieu pour tous ceux qui intercèdent pour la nation, la Côte d'Ivoire. Le Seigneur est fidèle, il faut être fidèle, il faut poser des actes d'amour et de joie, et surtout joie dans cette période de crise. Ne pas murmurer dans son cœur, s'ouvrir au Saint-Esprit. Alors pour cela, nous allons poser un acte prophétique. Le dimanche à 18h, quel que soit le fuseau horaire que tu as, à 18h, nous allons prier. Pour ceux qui sont catholiques, nous pouvons faire l'Angelus et dire « Je vous salue Marie » simplement, pour dire simplement au Seigneur, nous croyons que cette nation elle est belle et que nous croyons que la Côte d'Ivoire sortira de cette épreuve grandie et dans la paix, et que les hommes rassemblés pour louer le Seigneur ensemble. Amen. Et je crois aussi que tous ceux qui sont croyants, que vous soyez protestants, que vous soyez musulmans, ce jour-là, à 18h, chacun fait une toute petite prière, pas une longue prière, parce que le Seigneur, ce qu'il regarde, c'est l'état de notre cœur, c'est la profondeur de notre parole. Que Dieu te bénisse, et je crois que nous allons tous fêter très très bientôt. Amen.